Bonjour cher ami, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons on va traiter disons un sujet très intéressant qui concerne donc l'établissement d'état de rapprochement bancaire avec le logiciel Sage Comptabilité. Tout d'abord, je vais demander à ceux qui nous suivent, vraiment ceux qui veulent avoir encore plus de vidéos de notre chaîne, de s'abonner tout simplement. Alors aujourd'hui donc je disais qu'on va aborder donc le sujet sur l'établissement de l'état de rapprochement bancaire, plus précisément le rapprochement manuel. Voilà. On aura d'autres vidéos en tout cas, que nous allons faire concernant l'état de rapprochement bancaire et qui portera sur le rapprochement automatique. Mais aujourd'hui, nous allons faire le rapprochement manuel. Alors, premièrement, pour faire un état de rapprochement, il faut d'abord faire un minimum de configuration. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer effectivement que le journal où vous allez faire votre état de rapprochement bancaire effectivement admet donc le rapprochement. Voilà, et là vous voyez qu'on a mis aucun. Donc je vais choisir le rapprochement, je vais le faire sur le compte de trésorerie. J'expliquerai plus tard quelle est la conséquence si je décidais de le faire avec le compte de contrepartie. Alors une fois cette autorisation, alors je valide. Deuxièmement, ce que je vais faire, c'est en tout cas d'aller créer ma banque. Donc, je fais sur structure banque. Ok, je fais nouveau. Alors là, je vais appeler ça BIC. BIC. Bon, je vais mettre les informations essentielles. Hein. Je vais mettre BIC. Ok, et là, je vais appeler ça BCAB. La BCAB, c'est BNP Paris au Burkina Faso. Alors, je peux remplir les informations ici. Je mets Ouagadougou. Voilà, je mets Ouagadougou. Ici, je mets la région du centre. Voilà, on peut remplir entre autres les autres informations. Alors, juste ici, je viens sur contact. Alors, j'ai mon relevé bancaire ici. J'ai le gestionnaire de compte ici, M. Paul Ouedraogo. Alors, je vais donc mettre son nom, donc je viens sur ajouter et là donc interlocuteur monsieur Ouedraogo, ok Paul. Alors bon, j'ai pas encore défini des services mais je peux mettre au moins fonction, il est gestionnaire de compte, ok. Là je peux mettre son téléphone, le 25 10 12 14. Voilà, je valide. Une fois c'est fini, je viens au niveau de compte banque. C'est du compte bancaire, c'est important. Voilà, ça c'est important. Vous cliquez sur ajouter. Alors je vais ici donc mettre les informations BIC. Les commentaires, là la devise est franc CFA, le pays le Burkina, la structure locale. Ok, alors je viens ici. Regardez comment se présente alors mon compte bancaire. Donc j'ai code banque ici, c'est BF010 pour le compte de BCAB. Alors si je viens ici, regardez, je mets B avec, vous voyez le sens, ça peut vous dire que ça n'admet pas, ça n'accepte pas les codes alphanumériques. Parce que notre code ici, il est alphanumérique, vous voyez, BF010, c'est alphanumérique. Donc ce que je veux faire, c'est quoi? C'est de permettre donc qu'ils acceptent effectivement des codes alphanumérique. Donc je vais annuler, je vais faire une petite configuration rapidement. Je pars sur fichier propriété de société, voilà, propriété société. Je viens sur je pars sur banque, ok, structure banque compte. Alors vous voyez ici j'ai mis on a mis contrôle de la clé, bon, France, Espagne, je mets aucun. Et là au lieu de numérique, vous voyez le compte banque, il est numérique. Maintenant moi je vais changer, je vais mettre alpha numérique, ok, je vais ok. Alors une fois que c'est fait, ok, alors je peux revenir maintenant au niveau de mon compte banque ici, venir préciser, donc j'ai BIC, ok, voilà. Et là je peux maintenant insérer mon compte, donc j'ai BF010 et là le code 0152 0152. Et alors, bon, le code là comme il est un peu long, je vais le copier, ok, je vais le copier, ok. Et là la clé c'est 85. Voilà, bon, pour tout ce qui est code journaux pour la banque, je vais mettre, bon, tout ça là je peux prendre BCAB, hein, je peux prendre BCAB, y a pas de problème. Alors là bon, agence, vous pouvez compléter ces informations là, ok. Alors ouais, on peut compléter ces informations, vous faites ok.
Voilà. Alors ici, c'est important pour ceux qui, les entreprises qui ont la possibilité en fait d'importer directement leur extrait bancaire vers la comptabilité. Donc il y a une configuration à faire, mais ici on met le site bancaire, le site de la le site de la banque. Ok. Mais ce qui également est une deuxième possibilité de pouvoir importer son fichier. Qui est déjà en fichier format CSV, mais il nous faut d'abord effectivement créer un format paramétrable qui nous permettra effectivement de pouvoir importer un fichier CSV. Voilà, donc là je vais faire OK, je vais valider ça. OK, voilà, je viens de créer ma banque. Une fois ma banque créée, maintenant je peux effectivement commencer donc de faire mon rapprochement bancaire manuel. Je viens sur rapprochement bancaire manuel, je prends ma banque BCAB, je définis la date ici par exemple 31/01/2020, je fais OK. Voilà, je fais OK. Alors voilà les amis, ici je vais mettre ERB 01, rapprochement bancaire de janvier par exemple. Alors là maintenant je vais prendre mon compte banque, vous voyez, je vais prendre mon extrait bancaire, mon relevé bancaire. Alors ici par exemple au niveau des relevés bancaires, tout ce qui est au débit, vous voyez, tout ce qui est au débit, ok, tout ce qui est au débit correspond à ce qui se trouve au crédit, ok, de notre comptabilité. Voilà, donc je vais pouvoir rapprocher. Ok, je vais pouvoir rapprocher. Donc, je viens au niveau de la compta, de relevé bancaire. Vous voyez, j'ai 1 million, 2 242 000, j'ai 141 600. Donc, je viens, tout ça là, je peux les rapprocher. Voilà, tout ça là, pour ce que je les ai au niveau de relevé. Alors, voilà, il faut toujours valider. Voilà, j'ai oublié. Il faut toujours valider pour que ce soit possible. Donc, je viens ici, je vais cocher tout ce qui se trouve de l'autre côté. Alors, également, j'ai quoi encore? J'ai 445 500. Ok, 445 500. Voilà. Alors voilà, là je j'ai 9945 que je ne trouve pas au niveau de ma comptabilité. Voilà. Alors de l'autre côté au crédit, j'ai ici 3 019 520 et 2 000 000. Voilà, donc j'ai ces deux là. Voilà, j'ai ces deux là. Ok. Voilà, j'ai ces deux-là. Voilà, vous voyez, j'ai ces deux-là. Ok. Donc, il ne reste que cette opération, ok, qui n'est pas encore passée au niveau de la comptabilité de l'entreprise. Hein. On peut le constater. Au niveau de la banque, excusez-moi, la comptabilité de l'entreprise, elle a déjà pris en compte. Hein, mais le chèque n'a pas encore été traité au niveau de la banque. Voilà pourquoi nous ne l'avons pas ici. Donc, on a finalement coché, OK, toutes les opérations. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va valider. Hein. Je vais fermer. Je reviens encore sur traitement. OK. Je reviens sur traitement. Rapprochement bancaire manuel. Je prends BCAB. Voilà. Ma date 31/01. Voilà, 20. Ok, je valide. Vous voyez, alors vous pouvez constater qu'il ne me reste que cette opération que je n'ai pas encore rapprochée. Alors, quand je reviens au niveau de ma banque, effectivement, au niveau de la banque aussi, j'ai ces deux opérations-là, ok, que la comptabilité n'a pas en compte. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte? Qu'est-ce que je fais? Effectivement, à ce niveau-là, je vais enregistrer cette opération-là. Il y a un dépôt d'un client, M. Ouedraogo, qui a fait un dépôt pour régler une facture, et il y a la facturation BusinessNet, ça c'est des frais bancaires. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de ma comptabilité, rapidement je fais, donc je passe cette opération là. Je passe cette opération rapidement, janvier, je viens ici, donc là j'ai le 25, donc j'ai le 25, c'est une facture FA00, si je ne me trompe pas, 5, ok, donc le relevé bancaire, ok, ok. Voilà, j'ai le client 411-005, hein, c'est un client divers, monsieur Ouedraogo. Alors, donc, j'ai le règlement, ok, monsieur Ouedraogo, ok, voilà, monsieur Ouedraogo, ok, de combien? Voilà, 624 500, je fais entrer, je peux tabuler. Alors, j'ai également la date du 31 ici, voilà, la facturation BCAB net. Voilà, donc je suis au 31, ok, un relevé bancaire,
Ok. Donc j'ai 631 800, hein, autres bancaires. Donc ici là j'ai facturation, voilà, facturation BCAB, BCAB net, ok, de 9 945. Je pense que c'est bien ça, 9 945. Ok, je viens, je fais entrer. Alors une fois que j'ai fini donc d'enregistrer, on me dit ah non, 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 je n'ai pas établi effectivement. Voilà. Une fois que c'est fait, ok, vous pouvez constater que les écritures qui ont été ajoutées, ok, sont bel et bien là. Donc j'ai Monsieur Ouédraogo et Monsieur comment on appelle, et la facturation BCAB net. Alors ces deux écritures-là sont bel et bien, voilà, sont là. Donc je peux maintenant les rapprocher. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens ici, voilà. Ah, il faut toujours valider. Et je mets, voilà, de valider. Je viens, je valide. Voilà, numéro de pièce ERB01. Voilà, je valide. Donc, je viens, je prends. OK. Voilà, je viens de les rapprocher. OK, maintenant, voilà, je reviens encore. Rapprochement bancaire. Je prends, voilà, la date. Toujours 31-01-20. OK. Voilà. ERB. Voilà, 0. Alors là, vous pouvez constater quoi? Que j'ai terminé effectivement ici de rapprocher toutes les opérations qui sont au niveau de mon rapprochement bancaire. Mais il me reste ici, au niveau de la comptabilité, que la seule opération que la banque n'a pas pris en compte. Et là, je ne peux pas aller au niveau de la banque enregistrer ça. C'est une opération qui restera en attente. Voilà, on peut voir ici que notre solde du relevé, le solde relevé théorique, est de 11 267 875. Et effectivement, c'est le montant que nous avons ici, 11 267 875, ça veut dire que notre rapprochement a bel et bien été, excusez, notre rapprochement a bel et bien été effectué. Alors qu'est-ce que je fais? J'imprime tout simplement. Voilà, je vais valider. Ok, je vais valider. Je vais imprimer. Ok, bon. Voilà, là je viens, j'imprime mon rapprochement bancaire. Voilà, on peut constater ici, voilà, là nous avons le solde de la comptabilité qui est de 11 256 429 et le solde de bancaire qui est de 11 267 860. En fait, s'il suffit d'enlever les 11 000 qui sont en attente encore pour pouvoir trouver le solde de la comptabilité. Donc là, nous avons notre rapprochement bancaire qui a bel et bien été effectué. Voilà, merci encore une fois de plus pour tous ceux qui m'ont suivi. Alors, juste vous rappeler que présentement, nous sommes en confinement. Tous ceux qui veulent approfondir leur formation en comptabilité, en sage comptable et comptabilité, ou encore d'autres modules de la comptabilité, effectivement, notre Bag Consulting est disposé de pouvoir vous accompagner pendant cette période où beaucoup d'entre nous sont en confinement. Profitez de cette période où on est à la maison de pouvoir apprendre le maximum d'outils. Encore une fois de plus, merci. Nous nous retrouvons au prochain tutoriel. Mettez la région de Dakar, Tabilé, région Dakar. Tabilé encore le pays, vous mettez le Sénégal. Voilà, vous pouvez aller directement au niveau du téléphone. Vous mettez donc le téléphone 33 810 50
22. Allez sur suivant. Voilà, donc alors juste pour vous montrer que c'est cette option donc de formation à distance n'enlève en rien effectivement cette ambiance que nous avons lorsque nous sommes donc nous sommes dans un cas de formation présentielle. Donc c'est cette option que nous avons adoptée qui marche effectivement très très bien. Juste derrière monsieur Diouf, vous qui êtes, comment vous avez trouvé l'échange? Non, là je trouve que c'est comme si c'était en présentiel, donc je trouve que c'est, il n'y a pas une très grande différence avec le cours en présentiel.